Vous allez maintenant vous installer confortablement, peut-être assis, peut-être allongé, peut-être entre les deux, peu importe. Installez-vous juste confortablement, exactement comme ça. Prenez le temps alors, en fermant les yeux doucement, de prendre une grande inspiration. Voilà, et de souffler. De reprendre une inspiration. Et sur l'expiration, vous allez vous poser, vous déposer encore plus confortablement. Laissez-vous tranquillement refaire encore deux ou trois inspirations profondes et expirations. Un peu comme si à chaque inspiration, vous pouviez commencer déjà à vous remplir de toutes les choses dont vous avez envie, de toute cette détente, peut-être ce bien-être, peut-être ce calme, peut-être ce positif. Et qu'à chaque expiration, vous pouvez déjà commencer à décharger, vider, enlever, souffler toutes les choses que vous n'avez pas envie d'avoir, pas envie de transporter. Peut-être les pensées négatives, peut-être les moments difficiles, les souffler. Et recommencer. Et à chaque nouvelle respiration, vous vous posez encore un peu plus confortablement, un peu plus profondément, un peu plus sereinement. Dans ce moment, vous connectez complètement avec votre corps. Regardez comme chaque partie de votre corps est posée paisiblement. Ressentez chaque appui différent, selon comment vous êtes installé. Des appuis plus ou moins forts, plus ou moins légers. Prenez juste le temps de les ressentir. Ce moment est un moment axé sur la libération. Ce moment vous est réservé. C'est un moment que vous choisissez maintenant de vivre en profondeur. Vous vous accordez un moment particulier, moment d'arrêt pour vivre totalement le présent. Ce présent d'imagination, de visualisation. Voici un moment dans lequel vous vous offrez de vous émerger, afin de pouvoir en profiter pleinement. Un moment où vous faites une pause de tout, finalement. Ce moment est un moment privilégié pour une personne unique. Vous vous donnez l'occasion de vivre profondément ce temps d'arrêt. Vous en profitez pour refaire le plein, pleinement conscient du besoin ressenti depuis quelque temps, celui de vous poser, de vous focaliser sur votre mieux-être. Alors vous prenez ce moment, votre mental autorise votre corps à se poser, se reposer, se déposer. Et à chacun des mots, vous sentez combien votre corps est encore plus posé, encore plus déposé et de plus en plus reposé. Ce temps vous sert à prendre le temps d'accueillir le moment présent, moment où imaginer vous permet de vous libérer. Vous remarquez que vous respirez maintenant lentement. Vous respirez de façon à apaiser votre corps et votre esprit. Tous deux réclament un répit, un repos. Tous deux participent à faire le vide sur votre écran mental. Votre respiration vous inspire et votre regard intérieur se porte à présent sur les subtilités de votre corps et de votre esprit.
des subtilités qui requièrent votre attention pour quelques instants. Vous ressentez un apaisement, sans avoir besoin de connaître ou de comprendre sa provenance. Cela n'a aucune importance. L'importance en ce temps d'arrêt, c'est que vous accueillez vos sensations intérieures comme vos sensations extérieures. Vous les accueillez avec bienveillance. Vous les laissez venir, les laissez glisser, sans vouloir les changer, les modifier, juste constater. Et vous accueillez aussi les sons, les odeurs. Vous accueillez les images. Vous accueillez tout ce qu'affiche votre écran mental, votre imagination. Vous laissez tous ces éléments revenir à vous librement. Pendant que vous êtes à l'écoute de ma voix, et même si certains sons, peut-être, parviennent à vos oreilles, des bruits extérieurs, des bruits environnants, vous les laissez s'éloigner de plus en plus. À part tout bruit qui contribuerait à vous permettre de vous détendre encore plus, de vous détendre encore mieux. Dans cette douce ouverture à vous-même, vous accueillez. Vous ressentez un relâchement de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Vous ressentez peut-être un léger engourdissement. C'est comme si vous étiez fixé dans le temps, arrêté dans l'instant présent, à ressentir un bien-être de tout votre être. Imaginez que vous êtes enveloppé dans quelque chose de moelleux, de confortable, de la couleur, de l'odeur, qui vous plaît. Peut-être une matière moelleuse. Accueillir le moment présent requiert l'ouverture de votre cœur, quel que soit ce moment comme un moment merveilleux et différent, d'imagination, un moment libérateur. Accueillez le moment présent, sous-entend de vous élever sans jugement, sans résistance, au-delà du contenu. Vous êtes dans l'accueil de ce qui est, de tout ce qui se passe dans l'ici et le maintenant. Vous vous laissez guider par l'énergie apaisante que vous procure ce moment. Vous êtes de plus en plus conscient de votre respiration. Ce mouvement de va-et-vient rendra accessible cette énergie en vous. Une énergie apaisante. Une énergie qui participe à la création de votre moment. Un moment libérateur. Un moment pour relâcher, pour décompresser. Moment pour créer pour vous-même un avenir de mieux-être par ce moment suspendu dans le temps. En ce moment, rien n'existe pour vous que ce présent. Vous êtes en présence à l'expérience de visualisation, en présence à vous-même et à tous les bienfaits que vous procure cette expérience. Vous êtes curieux de vivre cette expérience. Et vous pouvez demander à votre inconscient de quel côté vous allez basculer en état hypnotique plus rapidement, votre gauche ou votre droite. Certainement le côté où vous allez être attiré, quelque chose d'imperceptible, qui vous donne envie de basculer, comme si vous étiez aimanté, comme si vous y alliez légèrement chavirer. Un peu comme une porte quand elle est fermée et qu'on a envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Vous vous émergez dans ce moment où le temps s'arrête à 7 secondes. Une seconde tout à fait détachée des minutes, des heures, des jours à venir. Cette seconde vit cet instant, ce moment de votre présent. Ce cadeau finalement que vous vous accordez. Et vous en profitez pleinement, complètement. Maintenant que grâce à tous vos sons, vous vivez une expérience des plus apaisantes, vous me laissez amener l'approfondissement de celle-ci
et favoriser un changement libérateur dans votre vie. Un changement qui s'installe par ces moments à venir. Dans cette énergie du moment, vous accédez à votre créativité pour vous offrir une transformation bénéfique. Je vais maintenant énoncer 10 nombres par décomptage. Et cela produira pour vous un effet de profondeur grandissante. Un approfondissement vers la transe pour stimuler la transformation de votre objectif en réalité par la libération. Je vais décompter de 10 à 1. Et à chaque changement de nombre, vous obtiendrez ce ressenti d'être encore plus détendu, encore plus à l'aise avec ce qui se forme sur votre écran mental, ces images et ces pensées. Avec chaque changement de nombre, vous entrez plus profondément dans votre inconscient. Vous autorisez à descendre un petit peu plus profondément à l'intérieur de vous. Un peu comme si vous pouviez descendre un escalier, peut-être un petit chemin, quelque chose de plus particulier. Et au nombre 1, vous aurez pleinement accès à celui-ci. Vous serez là où votre esprit emmagasine pour se rappeler. 10. Vous vous laissez aller plus loin, de plus en plus calme, détendu. 9. La résistance vous quitte, tandis que votre corps se détend et s'autorise à lâcher, se détendre complètement comme vous le décidez. 8. Chaque respiration vous apporte une plus grande ouverture à vos sens. 7, 6, vous descendez encore un petit peu plus et vous laissez votre inconscient monter de plus en plus à la surface. 5, de plus en plus loin de l'extérieur. 4, vous voyez ce que vous voyez. 3. Vous entendez ce que vous entendez. 2. Vous ressentez ce que vous ressentez. Et 1. C'est bien. Votre esprit est pleinement en ouverture à mes suggestions. Votre subconscient reçoit et vous visualisez à votre manière pour votre mieux-être. Prenez quelques instants pour descendre encore un petit peu plus confortablement, encore un petit peu plus profondément. Quelques instants pour votre respiration tranquille, fluide, libre de contraintes. Peut-être quelques ajustements sont-ils encore nécessaires pour aligner cette partie de vous qui vous soutient en tout, votre colonne vertébrale. Ici et maintenant, vous êtes focalisé sur votre mieux-être. Et ici et maintenant, celui-ci passe par vous focaliser sur le moment présent. Et ce moment hypnotique de régénération, moment de régénération hypnotique, hypnotiquement efficace. Vous respirez maintenant avec de bonnes respirations, des respirations abdominales calmes, profondes. À l'inspiration, vous ressentez l'air rejoindre lentement votre ventre. Puis à l'expiration, l'air ressort complètement, emportant avec lui tout et chaque inconfort. C'est bien, voilà. C'est très bien.
Déjà, vous commencez à vous libérer. Déjà, vous vous sentez plus libre. Sans avoir à accentuer cette libération qui se fait naturellement à chaque expiration. Plus détendu qu'au moment où vous avez fermé les yeux. Vous vous suggérez maintenant de prendre le temps d'entrer en contact avec votre subconscient. De le faire tout simplement. En le visualisant tel qu'il se manifeste à vous en ce moment. Peut-être en le ressentant, peut-être même en l'entendant. Des images, des symboles, pour l'imaginer à votre manière. Puis vous ancrez solidement à cette ou ces images. Vous vous ancrez solidement à ça. En quelque sorte, c'est un peu comme si vous pouviez vous fondre en elle. Et ainsi, vous laissez ces images vous entourer. Vous ne faites plus qu'un avec votre subconscient. Peut-être ressentez-vous que dans le moment présent, dans ce moment, quelque part entre le sommeil et la veille, votre subconscient s'éveille à vous. À votre besoin, il s'éveille doucement à cette renaissance qui vous appartient, comme après un long sommeil hivernal. Un peu comme la neige qui fond, comme le jardin qui dégèle sous les chauds rayons. Ici et maintenant, vous vous laissez réchauffer par vos rayons. Ceux de votre soleil intérieur, de ce puissant soleil présent en votre sang en tout temps. Ressentez-le, ressentez-les. À l'intérieur de vous émerge cette sensation. C'est comme si quelque chose était en train de s'aviver. C'est comme si vous voyez votre corps renaître. C'est comme si une nouvelle saison s'installe dans votre vie, sous forme d'une régénération. Une régénération de votre système immunitaire. Une régénération de votre être. Vous ressentez dans chacune de vos cellules un nettoyage qui est en train de se passer. Une purification. Chacune des cellules se libère pour se régénérer, se ressourcer, se réparer complètement. Vous ressentez que la sève printanière monte en vous et se propage dans vos cellules. Et une énergie nouvelle régénératrice rejoint fluidement chacune de vos cellules. Tout le système de défense, tout le système du bien-être, tout le système réparateur, celui qui permet de ressourcer, de guérir, va se mettre en marche. Dans chaque partie de votre corps où il y en a besoin, dans chacune de vos cellules. Laissez tout cela s'installer. Vos cellules se libèrent, vos cellules se réparent, vos cellules s'animent, elles retrouvent leur pleine énergie tel un arbre du printemps. Et maintenant, vous visualisez votre corps. Vous visualisez chacune des parties de votre corps comme un terrain fertile. Un terrain fertile où il est possible de cultiver la santé. Vous imaginez alors cette partie, ce jardin intérieur, où votre jardinier magique, celui qui est capable de faire des fleurs de 2 mètres, celui qui est capable dans ce jardin, votre jardin intérieur, de planter des arbres avec la tête à l'envers, celui qui est capable de tout avec ses outils magiques. Regardez combien il est capable de défricher, d'arracher, d'enlever toutes ces mauvaises herbes qui attiraient que des choses pas bonnes,
qui empêchait la terre de votre jardin intérieur à des endroits d'être saine, d'être fertile, qu'il a abîmé. Regardez comme il les arrache, comme il en fait un tas et comme il les fait disparaître. Regardez maintenant combien il est capable de rendre toute la terre de ce jardin intérieur fertile, fertile pour cultiver la santé. Regardez-le, mettez tout en place pour pouvoir cultiver la santé. Toutes les choses possibles, tous les outils, toutes les fleurs, toutes les plantes qui sont utiles pour ça. Regardez dans votre jardin intérieur comment la santé se cultive facilement, avec force, puissance. En ce moment, vous sentez même dans chaque partie de votre corps des semences de calme. Votre jardinier intérieur. Choisis un endroit de votre jardin pour y planter du calme, de la sérénité. Prenez un instant pour vous installer. Et profitez de regarder tout ce calme pousser tranquillement. Laissez-le vous remplir de cette sensation tellement agréable, réconfortante. Ce calme tout à fait propice à la régénération de votre système immunitaire. Dans ce lieu, vous avez choisi en ce moment de donner comme thème de cultiver la santé. Et alors que vous implantez en vous le calme et la régénération, une sensation, une chaude sensation vous convie à laisser se répandre en vous des semailles de confiance. Sentez, regardez. Votre jardinier intérieur qui sème toute cette confiance, regardez-la pousser, de façon magique grandir, s'accroître. Et remplissez-vous de tout ça, de toute votre confiance en votre système immunitaire, de toute la bonne étoile que vous avez qui vous protège, de toute la solidité de votre corps, de ses organes, de chacune de vos cellules, de chaque partie de votre corps. Ainsi vous rejoint et vous remplit peu à peu cette confiance. Confiance que votre système immunitaire peut être régénéré, que vous êtes capable de le faire, que votre inconscient travaille à ça jour après jour, qu'une partie de vous ne fait même que ça. Veillez à votre santé, votre système immunitaire, avec force, avec courage, avec expertise professionnalisée, avec calme aussi. Et que cette régénération d'ailleurs a été amorcée dès la fermeture de vos yeux. Ces semailles, cette confiance, sont et restent bien présentes en vous, même les jours de pluie. Vous retrouvez cette assurance qui vous donne des ailes, et cela rend possible pour vous de poursuivre votre progression dans votre chemin de vie. De poursuivre dans la gratitude de ce que votre corps peut faire pour vous. Il vous suffit d'y croire. Il vous suffit de le choisir. Il vous suffit d'agir. Et de demander à votre jardinier de tout mettre en place dans votre jardin intérieur. Laissez tout cela s'implanter, s'enraciner profondément, intensément. Entrer en synergie avec toutes vos ressources. Et alors que vous laissez votre subconscient agir avec vous, sur vous, vous pouvez continuer de profiter de la lumière écarlate de ce soleil qui vous réchauffe intérieurement, peut-être même extérieurement. Ici et maintenant, vous ressentez une sensation pénétrante, une sensation de paix profonde et bienfaisante. Comme le moment présent vous appartient, vous profitez de celui-ci pour vous imprégner de cette énergie puissante, de cette sève vivifiante issue de vous-même. Sentez-la circuler dans chaque partie de votre corps où il y en a besoin. Ressentez-la, sans avoir à l'accentuer, simplement le ressentir. Tout ceci qui encourage encore et encore la régénération de votre système immunitaire jusqu'à fortifier l'intégralité de votre être.
et vous observez. Vous ressentez combien votre corps retrouve de sa vigueur, se régénère. Et la régénération pour vous peut se manifester par certaines sensations, certains ressentis, des choses qui vous appartiennent. Elle peut aussi se manifester par certaines images, comme celle des racines dans votre jardin intérieur qui dès cet instant vous enracine dans le présent à chaque instant, dans quelque chose de stable, de solide, de vigoureux. Un peu comme les arbres centenaires. Il peut y avoir le vent, il peut y avoir les tempêtes. Les feuilles vont bouger, les branches aussi. L'arbre va pouvoir, avec douceur, traverser tout cela pour rester droit et fort, profondément enraciné. Ou encore peut-être vos propres images sont-elles en ce moment, celles de plants vigoureux, ces plants désormais visibles en vous, auprès de vous. Ces plants qui représentent vos aspirations, vos objectifs, vos rêves les plus profonds. Vous avez semé en vous ces éléments. Et en y croyant, le choisissant, en agissant pour vous autour de vous, ils poussent et remplissent votre vie encore plus de bien-être. Lorsque dans quelques instants, vos paupières s'ouvriront, vous constaterez que vos sens sont en éveil. Vous ressentirez votre être faire écho à votre propre suggestion, votre propre régénération, votre propre renaissance. Vous ressentirez également combien ce moment hypnotique de régénération éclaire votre chemin, guide vos pas pour l'avenir, cet avenir plus ensoleillé devant vous. Et à chaque fois que vous ouvrirez les paupières, vous ressentez l'action vigorante de votre subconscient. Subconscient qui, en vous, met tout et chaque ressource utile en œuvre pour aider votre corps à exploiter sa puissance régénératrice. Vous êtes à la fois le jardin et le jardinier. Vous croyez, choisissez, agissez pour votre mieux-être par cette collaboration de votre inconscient, de votre subconscient et de votre conscient. Même après ce moment, vous donnez comme vous recevez les suggestions. Ainsi, maintenant et encore, vous faites grandir en vous ce qui pour vous est un gage de mieux-être. Vous cultivez en vous le calme, la confiance. Vous cultivez en vous la santé. Aujourd'hui, vous avez semé des choses tellement importantes en vous. Vous en avez ressenti certaines poussées profondément enracinées. Il y en a même d'autres qui vont, dès que le besoin se fera sentir, pouvoir encore germer, se développer. Et dans le temps, avec le soutien de vos subconscients, elles prendront racine encore plus profondément dans tout votre être. Calme, confiance, régénération. Ressentez l'harmonisation de votre être. Ressentez cette régénération amorcée vers votre état de santé optimal. Dans quelques instants, vous recevrez la suggestion d'ouvrir les yeux. Vous les ouvrirez tout en restant connecté au confort de votre corps et aux éléments psychiques et émotionnels les plus utiles pour vous en ce moment. Votre inconscient sait le faire. Je vais compter jusqu'à 10. Chaque fois que nous atteindrons un nouveau nom, ce ressenti de soulagement, de complétude, de force se fera encore plus grand en vous. Lorsque vous entendrez un nouveau 10, vous ouvrirez les yeux, vous vous sentirez détendu, pleinement présent à vous-même, en plein état de forme, de santé. 1. Vous pouvez contracter légèrement vos muscles pour bien entamer ce retour. 2. Une énergie des plus bénéfiques se répand dans votre corps, revigorant chaque muscle, chaque cellule. Complètement, absolument, intensément.
3 et 4. Maintenant, vous respirez à fond. Vous ressentez l'air revitaliser totalement vos organes, votre corps, encore plus, beaucoup plus qu'avant. 5. N'êtes pas obligé d'oublier de vous souvenir tout ce qui s'est dit ici, un peu comme un rêve quand on veut le rattraper et qui nous glisse entre les doigts. 6. Pour vous sentir encore mieux, un peu plus près du réveil, vous vous étirez subtilement. 7. 8. 9. Tout doucement, vous pouvez remuer les paupières. Et 10. Vous ouvrez les yeux. Vous êtes bien et vous ressentez en vous la nouveauté. Vous ressentez en vous ce que vous appelez, ce dont vous avez besoin. Peut-être maintenant encore plus de calme et de détente. Si le moment est le moment venu de dormir. Ou peut-être même une douce énergie qui va monter en puissance. Si vous avez des choses à faire de votre journée.